Yo les potes, c'est AllRiders. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que je suis pas ce genre de mec qui fait des glitchs tout le temps. C'est même probablement le seul que je vais proposer sur ma chaîne. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Ça s'est passé lors de ma dernière vidéo. Lorsque nous avons fait l'affrontement entre deux super motards, j'ai réussi à sortir de la map. Et à partir de là, on a trouvé une technique pour sortir très efficacement de la map. Donc là je suis en présence de mon frère, donc je vous le passerai pour vous expliquer le glitch. Donc pour l'instant je vais juste vous montrer quels paramètres il faut mettre. Donc il faut être en écran partagé, ça ne marche qu'en écran partagé, sinon vous faites téléporter sur le track. Donc là par exemple nous avons pris Castellieto, mais peu importe le circuit, nous avons essayé sur divers circuits. Donc là Grand Prix ou Super Moto, peu importe, nous avons pris Super Moto. Donc là, tout simplement, pour faire ce glitch, vous aurez besoin juste d'une moto plutôt avec un grand débattement. Donc c'est pour ça que les super motards sont très utiles. Donc là, je vous laisse avec mon frère pour vous expliquer la technique. Donc vous allez voir, c'est extrêmement simple. En fait, il y a juste le muret que vous allez voir dans pas longtemps en face de vous. Bah, il y a juste à sauter partout, tout simplement, rien de plus facile. Faudra pas trop accélérer, sinon ça va vous faire burner et vous faire tomber. Et ni aller trop loin ni trop haut, parce que vous risquez de tomber si les suspensions se compressent trop. Donc faut juste aller à une vitesse à peu près normale, ni trop vite ni trop lentement, et vous allez voir c'est extrêmement facile. Donc ce glitch marche sur différents circuits. Par contre il faut faire attention au mur invisible qui se situe à certaines extrémités de la map lorsqu'on est en dehors. Donc, vous allez voir, voilà. Il n'y a rien de plus facile, tout simplement. Et là, maintenant, on peut accéder à n'importe où, quasiment n'importe où, autour de la map. On va découvrir d'autres endroits assez jolis, même des parties de route. Donc, c'est pas mal pour s'entraîner aux roues arrière et se taper des délires en écran partagé. C'est plutôt pratique. Donc, voilà. Donc ce glitch il marche aussi sur d'autres circuits. Donc dans le petit montage qui va suivre, je vous montrerai comment ça marche sur l'autre circuit de super motard, donc Autobiano. Vous savez, celui qui a des sauts en terre, tout ça. Donc il marche aussi sur ce circuit là. Et nous avons aussi trouvé sur Ulster comment et c'est très très dur de l'effectuer. Tout simplement parce qu'il faut trouver une barrière à sauter. En général, ce sont les barrières rouges et blanches sur le bord du circuit que vous pourrez sauter. Sinon, lorsqu'il n'y a pas de barrière, tout simplement le jeu vous replace. Et sur ce circuit, en fait, une fois que nous avons découvert ce glitch, je suis allé voir sur YouTube et j'ai vu qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait trouvé ce glitch. Mais il ne sautait pas au même endroit, en fait, au-dessus de la barrière. En fait, il prenait totalement à l'opposé du track. Et il allait sauter par-dessus le gros mur. Mais malheureusement, ça ne marchait pas à tous les coups parce que tout simplement il faisait un saut trop gros. Et donc les suspensions étant en butée, ben, les personnages tombaient à chaque fois quasiment. Et donc voilà. Mais sachez que j'ai plagié personne. Nous avons trouvé ce glitch tout seul. Donc là, on va vous montrer un petit peu dans le montage qui va suivre tout ce qu'on peut faire autour des tracks, tout ça. Donc là, tout simplement, avant de vous montrer ce petit montage, juste il y a un petit saut et tout ça par ici, voilà. Donc là, on va prendre l'élan et on va sauter. Sinon, j'espère que Milestone vont pas patcher ce glitch, parce que du moins, il est vraiment super simple à réaliser et vraiment amusant. Le seul bémol, c'est qu'il y a quand même des barrières autour de la map, comme disait mon frère. Donc vous pourrez pas aller partout, mais vous pourrez aller dans une grande partie de tout autour du track. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous laissez un like. Hein. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Allez, salut!